Le mot d'ordre des organisateurs des deux journées villes mortes a été observé malgré les dérapages caractérisés par les barricades et des pneus brûlés dans des grandes artères de la cité minière de Durba. Une situation qui a été vite maîtrisée par les éléments des forces de l'ordre. Les boutiques, stations d'essence, les agences de transport en commun, les écoles n'ont pas fonctionné ce lundi 23 septembre 2024 à la cité minière de Durba. Nous sommes dans le secteur Kibali, en territoire de Ouattia, dans la province du Haut-Touélé. À la base, la mort d'un jeune homme d'une trentaine d'années révolue, tué la nuit de mercredi à ce jeudi 19 septembre 2024, 72 heures après la tuerie d'un conducteur de taxi-moto par les hommes non autrement identifiés. Dans une lettre adressée à l'administrateur du territoire de Ouattia, informant le déjeuner ville morte, ces jeunes déplorent les insécurités grandissantes de la cité minière de Durba, caractérisée par la tuerie répétitive. Signalons que l'administrateur du territoire de Ouattia, Dieudonné Magaïmissa, avait annulé ces journées ville morte dans un communiqué officiel dont Congo 26 Télévision détient une copie. Un communiqué non événement pour les organisateurs de ces journées ville morte.